ce terme de paysage, il y a énormément d'enjeux qui s'y rattachent. Je veux dire, c'est à la fois quelque chose de poétique. Paysage renvoie à la peinture de paysage, ça renvoie enfin, évidemment à l'histoire de l'art, de la représentation du paysage, ça renvoie au coucher de soleil, aux vacances, au point de vue, ça renvoie comme ça à tout un tas de choses assez douces, assez gentilles et tout ça. Et ça renvoie à des choses très sérieuses, quoi. Je veux dire, le paysage aujourd'hui, c'est aussi, finalement, ça contient à l'intérieur toute une politique de pensée, d'organisation du territoire, avec des enjeux qui sont évidemment énormes. Y a quelqu'un ? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. On est étudiant en architecture à Lyon, on est en train de faire un documentaire avec la MJC d'Annonay sur les regards sur l'habitat et on voulait prendre quelques témoignages des habitants. Mais les couleurs, elles sont bien, c'est un bâtiment que ça attire. Hein. Le troupeau de vaches, il passait là, vous voyez. Bah, ça me plaît pas trop. Cette vache au milieu d'un parking, ça me fait un peu bizarre. Oh là, quelle horreur. Vous me demandez perso si voilà. Pour ou contre, je vous dis contre. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus, le paysage? Je ne sais pas quoi vous répondre, franchement. Les projets qu'ils font, ils sont déjà prêts à l'avance, ils ne nous demandent pas notre avis. C'est justement, vous les... Alors là, ils ne nous demandent pas notre avis. On paye, mais c'est tout. Et si nous prenions un peu de recul? Le paysage, on le voit. On le voit tous les jours. Mais le regarde-t-on vraiment? Sommes-nous de simples spectateurs ou tous acteurs de ces transformations? Qui dessine le paysage? Zone industrielle, zone commerciale, zone d'activité. Quelle place occupe-t-elle dans notre paysage? Aménagement subi ou aménagement choisi? Logistar, c'est ça? Ça consiste en quoi exactement? C'est un bâtiment logistique en fait qui était prévu pour construire, pour désengorger un peu la vallée du Rhône au niveau des nouveaux magasins qui ont été construits. Oui. Il y a besoin de stockage supplémentaire. Donc. Un village après construction. C'est vraiment moche. Hein. Ah, oui. C'est flash, quoi. Moi, je trouve que, franchement, on ne voit plus en arrivant de la route le joli clocher, la jolie perspective. Franchement, là. Je n'aime pas attention. Ça, c'est... Ouais. C'est... À l'entrée, là, que ça ne serait pas joli. Ah, mais qu'ils vont faire ou c'est... Oui, qu'ils vont oui, faire. C'est un projet qui va c'est être un projet, oui. Comment on pourrait le rendre plus joli? Le mettre ailleurs. Il faut bien que le monde continue, hein. Il faut bien qu'il y ait des industries qui s'imposent dans le secteur. Hein. Bah, je vous donne l'exemple d'Avézieux. Mes parents, quand ils ont fait construire il y a 20 ans de ça, il y avait 3 maisons. Maintenant, il y a la zone industrielle. C'est intéressant la discussion qu'on vient d'entamer. Oui. Ce projet, c'est une blague.
Ah bon. C'est pas un vrai projet. C'est juste pour approcher un petit peu. Mais notre vrai projet à nous, c'est de faire parler les gens autour de faire parler de les gens. L'évolution des paysages. Ça va alors. Alors qu'est-ce qui me choque dans un paysage? Des usines à perte de vue, déjà, tout au même endroit. Moi, je trouve ça c'est ridicule, c'est moche. Dans la montagne, je m'oriente tout de suite, mais dans les zones industrielles, j'accroche pas du tout, parce que j'accroche pas du tout, parce que c'est moche, qu'il faut constamment prendre la voiture pour aller dans ces trucs. Au niveau de l'industriel, c'est toujours, de toute façon, le maître d'ouvrage qui décide. Le maître d'ouvrage, qu'est-ce qu'il veut? Il veut un bâtiment qui fonctionne, un bâtiment qui lui permet d'exercer son activité. Donc effectivement, ce qu'il va demander, c'est avant tout de la fonctionnalité. On fait avec de l'industriel parce que les matériaux industriels, c'est quand même des matériaux peu coûteux. Cette tôle, moi, ça me gêne. Quoi, ouais. Cette tôle, non, mais voilà, c'est les bâtiments. Les bâtiments en tôle, c'est froid, c'est... Il y a plein de modèles. Vous allez en Italie, vous allez voir les usines, ils sont construits en maçonnerie, en briques. Bon, nous, en France, on construit avec des matériaux et du métal. Mais pourtant, on est content quand même d'avoir ces magasins. Si on veut faire un projet qui n'a pas d'emploi, c'est déjà nul à l'heure actuelle. En plus, encore monter les bâtiments quand on sait qu'il y en a de vide, je ne vois pas d'intérêt. Aucun. Et au niveau esthétique? Esthétique, pas beau du tout. C'est un peu mes grandes frustrations, c'est d'arriver dans en pleine campagne, arriver dans un bourg, et ce qu'on met en avant, c'est la zone artisanale, quoi. Et est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, à mon avis, c'est pas bien, mais bon. Après, c'est des décisions, il y a des décisions politiques qui font que, on s'est dit un jour, on va créer une zone... Je réhabiliterai ce qui est déjà. Ça éviterait déjà beaucoup de constructions qui sont détruites, reconstruites. Il y a des usines qui partent, qui en quoisent en 2-3 ans. Ouais. Ben non. Vous voulez vous installer, ok. On a des locaux vides, essayez de voir ce que vous pouvez faire. Il y a des gens qui viennent s'installer de plus en plus sur la région parce qu'ils trouvent que le paysage aussi est quand même resté... On ne construit pas n'importe comment et n'importe où ici. Hein. Hein, même les maisons, même les usines, hein, non. Il y a une réglementation et je suis pour. On ne peut pas non plus faire pousser les choses comme les champignons. Notre manière d'habiter impacte sur le paysage. Ici, depuis 30 ans, l'habitat a consommé 1 mètre carré de terre agricole par minute. Alors, où et comment choisit-on de se loger? Bonsoir. En fait, sur le bassin d'Annonay, depuis 30 ans, on a perdu 1 mètre carré par minute de terrain agricole. Ça vous évoque quoi? Qu'est-ce que ça vous évoque? Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, c'est vrai. Là, nous, on est 15 maisons. Lotissement qui est derrière, là-bas, il y a 33 maisons qui sont faites. Quoi. Donc, quand on est arrivé, c'était des champs, on allait ramasser les champignons, les mousserons. Maintenant, voilà quoi. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire, quoi? Le mode de vie d'aujourd'hui, tout le monde veut sa propriété, un peu tout le monde veut sa petite maison, son espace. Et on gratte un peu comme ça sur les terrains agricoles. Mais je pense que ça arrange tout le monde. C'est vrai que ça fait... C'est dommage, mais bon. C'est dommage, mais c'est vrai que c'est... Là, actuellement, nous, sur le village, c'est vrai que les personnes qui étaient propriétaires ont été fortement incitées à vendre parce que les prix ont... flambé.
fais comme tu le sens. Ouais. Ah bah super. Rentrer, super. Bon, rentrer. Ouais. Quand vous êtes dit on va investir, on va acheter quelque chose. C'est une maison. C'est une maison. Mmh. Vous n'aviez pas envisagé des habitats, des petits collectifs ou des, non, des choses comme non, ça. Non. Une maison avec un petit peu de terrain comme ici. D'accord. Pas trop non plus, mais un peu. Pourquoi c'est des... Bah après c'est contraignant. Il faut tondre, il faut... Le but c'est de passer un peu de temps ici, mais c'est pas être esclave de la maison non plus. De toute façon, on ne sait pas si c'est positif ou pas, mais c'est bien sûr, on modifie. Hein. Ici, c'était un champ avec des vaches. Mmh. Voilà, il y a des maisons maintenant, mais bon, est-ce qu'on peut faire autrement? À un moment, il faut bien se loger. Donc, il y aurait d'autres choses, d'autres habitats, mais je sais pas, moi, cool. Moi, je voulais faire un toit végétal, par exemple. Mmh. Ouais, c'est très compliqué à faire. Si on peut préserver le minimum qui reste, ça serait quand même plus... plus convenable quand même. Je pense que qu'on prête pas attention à tout ça et que en a rien de temps, tout ce qui est champ, tout ce qui est forêt, voilà, ça va disparaître et puis ben ça sera que des maisons. On aimerait bien être les derniers. Voilà, on aimerait bien à chaque fois être les derniers. Et du coup, si les terres sont préservées, on construit où et comment? Où et comment? Ouais. C'est vrai qu'après, c'est une question piège ça, quand même. Il y a des habitats, par exemple, qui se font sur c'est un mix, en fait, entre la maison traditionnelle et des habitats collectifs. Mmh. Ça fait un habitat collectif, mais du coup, ils arrivent à garder des grands types, des grands ensembles de jardins devant, ouais. Sans forcément avoir de clôture ou quoi. Et finalement, tout le monde en profite. Ça reste un espace public, même. Ça m'évoque un petit peu ce que... On a eu beaucoup de chance, nous, quand on habitait Lyon, on habitait Caluire dans une résidence où voilà, c'était un peu concentré comme ça, et puis on avait le tennis commun, on avait, il y avait des bois communs. Ouais. Donc voilà, ça m'inspire ça. Mais ça vous dans la campagne. Ça me plaisait parce que je connaissais rien d'autre. Maintenant que je connais la maison, c'est clair que bah, si je peux ne pas y retourner, j'y retournerai pas. Malgré que ça soit géant, c'est super. Ouais. Mais ça remplace pas une maison quand même. Visuellement, c'est plus joli que nos murs de clôture en béton. Quoi. C'est super beau, hein. Y a pas à dire. Moi, je suis pas assez ironique. Ou... Non. Je trouve beau, mais pas chez moi, quoi. D'accord. Bien souvent, les lotissements sont des projets issus d'opportunités individuelles et particulières. Donc, ça échappe. Ce sont des projets qui échappent à une maîtrise et à un contrôle et à une vue d'une commune ou d'une ville. Avec des stationnements groupés, c'est-à-dire qu'en fait chacun aura pas sa... Alors éventuellement un garage dans sa maison, mais stationnement groupé. Donc tout le monde, et après on finit à pied. Donc on peut éventuellement aller juste... La commune de Burdigne a un projet de... On va appeler ça éco-hameau pour faire simple. Là, on a une commune qui est très agricole, donc il ne s'agissait pas de faire de l'ombre à l'activité de la commune. Et si on veut faire un projet classique, un lotissement classique, un truc, ça mange beaucoup de foncier pour un résultat qui n'est pas toujours très satisfaisant. Mais du coup, il faut qu'on imagine autre chose et qu'on fasse un projet plus intéressant. En plus, ben, forcément, là-dessus, les contraintes extérieures sont arrivées, mais les contraintes, nous, comme le SCOT, comme le Grenelle, etc., mais les contraintes, en fait, elles avaient déjà été intégrées par l'ancienne équipe grâce à l'activité agricole forte. C'est-à-dire que pour nous, faire dense et manger peu de terres agricoles, c'était quelque chose qui était déjà bien intégré. Le projet, pour l'instant, il est à l'ordre, enfin, on en est au scénario, hein, il n'y a pas une maison qui a sorti de terre, mais la philosophie du projet, etc., a été vraiment construite avec les habitants actuels et futurs, même ceux qui ne changeront pas de logement. Finalement, du compact et du performant énergétiquement parlant, ça s'est toujours fait. Et que tous nos hameaux traditionnels, puisque Burdigne, c'est une commune sur 3000 hectares, donc il y a une soixantaine de lieux-dits, pas mal de hameaux, et finalement, ils sont tous construits comme ça, avec une vraie mitoyenneté et une vraie compacité, sans pour autant que les gens aient l'impression de vivre les uns sur les autres. Parce que souvent, ce qu'on reproche au compact, c'est de dire « bah oui, non, mais moi, je ne vais pas habiter à la campagne pour aller habiter
contre nos voisins. En fait, si c'est bien construit, si c'est bien conçu, on se voit moins et on se gêne moins les uns contre les autres que chacun au milieu de sa parcelle, comme dans un lotissement classique. On se retrouve maintenant avec des maisons un peu standardisées. Hein. Je veux dire, on va dans n'importe quelle région de France, on retrouve plus ou moins un peu les mêmes styles. Alors qu'à l'époque, ben, chaque région avait son style architectural très, très marqué. Nous perdons des terres agricoles. Bien sûr, la vocation première de l'agriculture est de nous nourrir. Mais quel espace lui restera-t-il demain ? L'agriculture façonnera-t-elle encore nos paysages ? Mais à partir de là-bas, du rond-point, jusqu'au relais Saint-Christophe, il n'y avait que des champs. Il n'y avait rien du tout. Et, oui. Et là, actuellement, c'est le cabinet médical. Là, vous avez un avocat maintenant. Et c'est sur ce terrain-là qu'a été édifié le premier bâtiment commercial de Davézieux. C'est moi qui étais propriétaire du terrain, là, oui. J'ai vendu ça en 75, je crois. La commune se développait, alors ils voulaient faire un petit centre commercial. Alors ils m'ont contacté, bien sûr. Alors j'ai vendu à l'entreprise de Roux et Cabrero. On voit que des constructions de partout presque. Et c'est ça que... Vous trouvez ça beau, vous trouvez ça moche, ou ben, ça vous plaît? Bon, pas tellement, hein, mais bon, il faut, comment dire, il faut faire avec... comment vous expliquer, avec un peu... les choses actuelles, hein, parce que le développement, quoi. C'est dommage, Davézieux, maintenant, c'est devenu comme ça. Il y a trop de véhicules, il y a les camions. Même là où j'habite maintenant, au début, quand on a emménagé, il n'y avait presque pas de camions. Maintenant, c'est camion. C'est la bretelle de l'autoroute. Alors, les vaches nous manquent, bien sûr. Les paysans, ils ont un impact fort sur le paysage en l'entretenant, ça c'est certain. C'est sans commune mesure, quand même, avec ce qui s'est fait... dans les siècles derniers, quand les gens ont monté des murets, ils ont ratissé les pierres dans les champs pour monter des murets, pour faire des chalets. Je veux dire, quand on voit ça, des moments on se dit, putain, il y a un travail hyper important, c'était le travail de plusieurs générations. Et nous, aujourd'hui, quand on fait un talus, quand on fait quelque chose, on fait un truc au godet, au tracteur, on fait un truc pour une génération, pour même, ça se compte en années, quoi. On a fait pendant les années aussi, une politique d'humanisation de tuyaux, quoi. Vous savez qu'il y a les égouts, on urbanise. Hein. Moi, je le vois par rapport à l'irrigation, puisque donc je m'en occupe, que tous les terrains, il y avait beaucoup de zones qui étaient en verger autour des hameaux existants, en verger ou en jardin, qui ont été tout équipés en irrigation. Et c'est les premiers qui sont partis à l'urbanisation parce que c'était ceux qui étaient raccordables aux égouts. C'était... Et là, je veux dire, on n'a pas tenu compte, en fait, que ces terrains-là avaient une importance significative par rapport au fait qu'elle pouvait être exploitée tout en irrigation. Quoi. Enfin, on ne peut pas faire grand-chose. L'industrie monte, donc on peut pas. Je ne sais pas trop comment faire pour changer ça. Quoi. Je veux dire, c'est le confort du consommateur aussi. Il faut quand même être honnête, hein, faut pas être hypocrite. On s'en sert tous quoi, de cette zone commerciale. Hein, donc... Voilà, c'est la vie qui se développe autour des emplois des gens, c'est la vie qui se développe, même si on est quand même content d'aller le week-end se balader à droite et à gauche dans la verdure, quoi. Si la rentabilité elle est trop minime, je veux dire, tout ce qui peut gagner quelques points de rentabilité va passer avant la conservation d'un quelconque paysage. Si de mon activité je vis correctement, je peux me prendre un salaire. J'ai pas envie forcément de bouleverser tout mon système, quoi. Je serai plus conservateur dans mon activité et du coup dans le paysage. J'ai un petit bout de terrain, je fais mon petit jardin, quelques petits arbres fruitiers. S'il fallait raser tout ça au profit de je ne sais quoi, s'il fallait retourner à Nonnet, j'aurais pas le choix. J'aurais pas le choix, mais je serais désolé parce que
parce que je perdrais mon cadre de vie, quoi. C'est toujours facile sur un terrain agricole d'implanter, que ce soit de l'industrie, une maison, n'importe quoi. Je veux dire, on part sur du terrain nu, dispo. Par contre, la marche arrière, elle est, pour les remettre en culture des terrains qui ont été artificialisés, c'est quasi pas possible. C'est pas, même pas envisageable. Quand il y a un beau paysage, ben ça m'émeut. Je veux dire, mais généralement, c'est quand les espaces sont vierges. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est le mitage. Des constructions un peu jetées. On a l'impression qu'on a pris ouvert une boîte de sucre et qu'on a jeté les constructions. C'est tombé un peu comme ça a voulu. Je suis très touchée dans le paysage parce qu'il est le reflet de la lumière. Il est le reflet des couleurs et bien souvent aussi du travail de l'homme. Et c'est en ça qu'il me parle. Les choses nouvelles agacent. Et après, les choses d'un certain moment n'agacent plus du tout. J'ai une ligne moyenne de tension, ou de tension à côté de chez moi. Mon père ne trouvait pas ça terrible. Moi, je suis né avec, je ne la vois pas, quoi. Et autant, là, quand il a fait des vents il y a deux mois, j'ai deux grands peupliers là, qui sont à un kilomètre pratiquement, qui étaient dans mon paysage, enfin dans ma ligne de vue de mon bâtiment. Un beau matin, j'ai dit, le paysage a changé. Et j'arrivais pas à savoir ce qui me manquait en fait. Et le vent fort avait abattu ces deux grands peupliers qui devaient faire 20 mètres de haut. Hein. Et il a fallu, pas plusieurs jours, mais presque, pour que je m'aperçoive qu'il manquait ces deux arbres. Les transformations naturelles des paysages ou les transformations liées à la place des hommes, à l'évolution de leur place sur le monde n'est pas forcément quelque chose de négatif. Ça peut tout à fait... ça serait tout aussi... Enfin, que l'idée de vouloir figer les paysages est tout aussi dangereuse que de les ignorer et d'entraîner leur disparition. Moi, ce qui me choque le plus, c'est le mélange de bâtiments industriels, commerciaux et de maisons d'habitation sur les mêmes zones. Ce qui me touche, c'est quand même la quiétude, la tranquillité, le plaisir à vivre dans certaines zones. Ce qui me touche, par contre, c'est l'intelligence avec laquelle l'homme est parfois capable de s'intégrer dans le paysage. Ce qui me porte vers l'avenir, c'est justement cette foi en l'homme de s'adapter et d'avancer dans le bon sens. Ce qui m'horripile, c'est les entrées de ville. Je trouve qu'elles ne sont pas réussies. Et puis peut-être l'individualisme de chacun. Moi, ce qui me parle, c'est à quel point, au niveau de ce bassin, il porte son histoire. Et moi, j'avais appris ça quand j'étais gamin en école primaire, l'histoire des deux rivières et comment, à partir de ces rivières, il y avait eu des hommes qui s'étaient installés autour. Mais voilà, voir comment, en fait, l'homme, il est venu là et comment il a aménagé son espace et pourquoi il était là. Moi, ce qui me touche dans un paysage, c'est de pouvoir le lire, en fait. C'est de pouvoir le regarder de gauche à droite et puis de voir des entités et de pouvoir lire l'horizon aussi. La région d'Annonay, c'est... C'est la ville en elle-même, il y a des projets qui se font là, je trouve que tout ce qui est en train de se faire rural malgré tout. Des cordeliers, ça me paraît intéressant. Et on est là pour stimuler la réflexion, agiter des idées, et les nouvelles idées d'aujourd'hui feront les nouveaux comportements de demain.